pour l'instant. Eric Kerol, il tient parfaitement bien la première place. Mais il y a quelques freinages importants à partir de maintenant, à partir de ce double droit du Bossé, toujours aussi spectaculaire. Il y a la possibilité ici à l'intérieur. Et Olivier Panis s'y engouffre. Attention, les deux voitures qui vont peut-être se toucher. Oui, oh, incroyable, Olivier Panis, là, qui n'a pas pu freiner correctement et qui envoie carrément Eric Kerol dans le décor. On appréciera, en tout cas pour les pilotes, on appréciera ces bandes hein, qui freinent les voitures et qui leur permettent de repartir. C'est déjà ça, mais regardez qui va passer la ligne en vainqueur, ni plus ni moins que Laurent Gropi. Laurent Gropi, on le disait tout à l'heure, spectateur derrière les deux Corvettes et qui hérite de la première place. Après, il le reconnaîtra lui-même à la fin de la course. L'erreur commise par Olivier Panis qui n'a pas vraiment pu s'arrêter, freiner sa Corvette. Olivier Panis qui va terminer à la deuxième place devant Eric Kerol.